Messieurs, chers camarades, Richard et moi, au nom de l'association Les Amis d'Henri Emmanuelli, tenons à saluer votre présence toujours aussi nombreuse et toujours aussi fidèle. Ces temps qu'Henri nous quittait, et c'est toujours un moment assez émouvant de se retrouver ce soir devant son mémorial. Je ne me lancerai pas dans un grand discours, mais juste rappeler que même si les années ont passé, elles n'ont pas effacé le souvenir de son image, ni de sa voix résonnante qui, malgré toutes ces années, résonne encore, peut-être plus fort encore aujourd'hui, tant les valeurs d'égalité et de justice sociale qu'il défendait et pour lesquelles il se battait sont si mises à mal. Comme je le disais, je ne vais pas me lancer dans un grand discours et laisserai très vite la parole à Boris, Renaud et Xavier, qui nous font le plaisir ce soir de nous rappeler le souvenir d'Henri. Avant, je souhaiterais excuser l'absence de M. Renaud Laïtette, M. Hervé Bouiri, M. Yves Montus, Mme Christine Brett et Mme Dominique de Gosse. Merci à vous. Non mais nous on est toujours un peu timide, comme ça on ne sait pas qui fait la première partie, qui les rappels, tout ça. Bon, simplement, cher Antonia, mesdames et messieurs, chers camarades et chers amis, je vais vous dire que c'est quand même assez émouvant, 7 ans après la disparition d'Henri, de nous retrouver aussi nombreux ici. C'est dire non seulement la fidélité à sa mémoire, mais c'est dire aussi le caractère vivant de sa mémoire. Au fond, si nous sommes là, on a déjà eu l'occasion de se le dire, c'est pas pour commémorer une mémoire qui finirait par s'éteindre, mais pour retrouver au fond peut-être le chemin et le sens de notre engagement. Et c'est évidemment particulièrement important de le faire dans ces temps troublés, perturbés, où la réaction, à la fois la force sociale et l'organisation politique pour conquérir le pouvoir dont on sait, une fois qu'ils l'ont obtenu, ce qu'ils en font. C'est une menace évidemment aux frontières de l'Europe, et il nous faut être ferme face à Vladimir Poutine et face au régime autoritaire qu'il incarne, sans fanfaronnade belliciste, mais sans naïveté sur ce qu'est ce dictateur et sur ce que sont ses intentions et une forme de permanence de son impérialisme depuis évidemment la période des Tsars en passant par ce que De Gaulle appelait, on a le droit de citer De Gaulle dans un hommage à Henri, pas terrible, si on peut quand même, appelait la Russie soviétique. Je le dis parce que il faut aller vers cet horizon compliqué avec des idées simples. Les idées simples, c'est celles qui étaient au fond le moteur d'Henri. Se souvenir pour qui on se bat. Celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui parfois n'en vivent pas. Les classes populaires avec lesquelles on se le disait il y a un instant, nous avons sans doute perdu le contact. Mais c'est le sens de notre engagement, c'est le sens de l'action qui est conduite ici dans ce département depuis des décennies. C'est le sens de l'action du conseil départemental, des parlementaires au Sénat, avec Monique et Eric, mais à l'Assemblée nationale aussi, d'être aux côtés de ceux qui sont toujours les oubliés de la République. L'exigence d'Henri, c'était celle de Jaurès, la République partout et pour tous. C'est la justice, c'est l'égalité, et c'est une certaine idée de la fraternité. Alors on me dit parfois que la fraternité n'est pas un projet politique. Je dois vous dire que pour moi c'est le seul qui vaille. C'est le seul projet politique qui permettra d'arracher les individus à la solitude dans laquelle la société et le libéralisme les ont abandonnés. Et souvent, étant dans l'hémicycle, parfois m'interrogeant sur le sens de mon mandat, je pense aux Landes. Je pense à celles et ceux que j'ai quittés quelques heures avant parfois, que je retrouverai quelques heures après, et qui ont besoin de nous. Et je regarde les Landes et je me dis, au fond, notre projet politique, c'est pas seulement la fraternité, c'est, pardon pour cette immodestie, et c'est au fond faire du modèle landais le modèle que l'on veut pour ce pays. J'évoquais la question de la fraternité. Vivre ensemble est quand même une belle ambition. Dans un pays qu'on dit fracturé, qui parfois présente tous les symptômes d'un pays qui ne s'aime pas. Et ici, on vit ensemble. On est souvent dans les mêmes écoles, et nous savons que la ségrégation et le séparatisme sont parfois le fait de responsables politiques qui arrivent à demeurer quelques jours à peine ministre de l'Éducation nationale. On fréquente les mêmes salles de basket, les mêmes gradins des courses landaises. Et puis, nous le savons, parce que c'est notre fierté, notre modèle, nous vieillissons de la même manière, dans les mêmes EHPAD à but non lucratif. Et au fond, c'est ce modèle-là que Henri a imposé. C'est la place de la puissance publique, de l'action publique. C'est la place des marchés que l'on remet à leur place, précisément. Et puis, c'est cette solidarité continue dans l'existence de l'enfance jusqu'au seuil de la vie. Je l'avais déjà dit ici, étant élu, et après la disparition d'Henri, je m'étais imaginé mettre mes pas dans ses traces et que c'était en me retournant que je les apercevrais. Mais la vérité pour nous tous, c'est que les traces sont devant et que c'est un chemin qu'il nous faut suivre, simplement avec humilité, mais avec détermination. Il y a quelques semaines, mais Renaud en dira peut-être un mot, il a passé commande à un certain nombre d'entre nous de raconter un souvenir. Je me suis posé la question de savoir quel souvenir je pouvais raconter. Et en réalité, je suis en train de l'écrire, Renaud, je sais que j'ai une deadline, mais je suis en train d'écrire au fond un souvenir vivant. Le souvenir, il est sur tous les chemins de Chalosse. Il est sous les pavés de toutes les bastilles des Landes. Il est inscrit sur les murs de beaucoup de bâtiments publics. Il porte même le nom d'un village, le village Henri Emmanuelli, que nous avons inauguré il y a maintenant quelques années. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je suis heureux d'être là, heureux de vous voir ensemble. On s'inquiétait de savoir s'il y avait où étaient les jeunes. N'ayez pas de doute, ils ne sont peut-être pas militants du Parti Socialiste, mais ils ont en particulier dans ce département aussi le sens de la justice. Parce qu'ils ont grandi, au fond, veillés par cette exigence de Henri et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Voilà, merci beaucoup. Bien, chers amis et pour beaucoup chers camarades, j'aurais commencé par saluer Antonia évidemment, remercier Karine et Richard de continuer. C'est pas évident de faire perdurer ces moments-là. Quand je dis c'est pas évident, on se dit bon ça va marcher, ça va pas marcher. Voilà, merci à vous parce que ça nous permet d'abord de nous réunir, de continuer autre à penser à lui et à plein d'autres choses et je vais vous faire j'allais dire non pas une confession parce que c'est pas mon genre mais enfin je vais vous dire un truc tout simple. Je ne crois absolument pas aux forces de l'esprit, mais depuis 7 ans il revient dans mes rêves ou dans des images, une qui me frappe, enfin plusieurs qui me frappent finalement à chaque fois qu'il vient. Dans une voiture, peu importe laquelle, Victor ou Stéphane au volant, la gitane, Francis Cabrel à fond les pelles. C'est pour ça que je me suis remis à fumer d'ailleurs. En route vers un soutien d'un candidat d'une cantonale partielle à l'autre bout de la France. Et j'en discutais avec pas mal de copains ces dernières semaines qui me disaient mais ça a toujours été un militant. Ouais. Outre tout ce qu'a dit Boris et ce que dira certainement Xavier, ouais, c'était un vrai militant. comme on n'en fait plus beaucoup, parce que le soir où il fallait aller encore une fois à l'autre bout de la France pour soutenir pour une cantonale partielle, il n'y en avait pas beaucoup qui se bousculaient, hein, même si en plus ils savaient qu'elle était perdue. J'avais beau lui dire, tu sais, on va rien faire là-bas, on y va quand même, Renaud. Et j'ai ça encore en tête parce que finalement, quand on est encore aujourd'hui ici entre nous, on se dit, il y en a un qui avait raison, c'était Xavier Darcos. Vous allez voir, vous allez bondir. Quand il nous avait dit, mais je vais quand même pas aller chez les Indiens. Ouais, ben on est des Indiens. Je vous dis ça parce que ce matin, j'étais à Périgueux et une réunion un peu costaud, musclée, sur le réseau ferroviaire, enfin je vous passe ma vie. Et puis les élus qui étaient là, ils disent, bah, ça va, par qui tu as été formé, toi? Encore un mec qui était avec Emmanuel. Oui, je vous confirme, c'était ça. Et finalement, on fait tout simplement peut-être ce pourquoi on continue à penser à lui, c'est-à-dire à résister. Boris a cité des dossiers, des projets d'Henri à travers les années, et puis des orientations politiques, il faut bien le dire, qui perdurent encore, mais qui étaient quand même une forme de résistance. Résistance contre le privé face au public, résistance sur le déménagement du territoire, résistance face finalement à l'obscurantisme, et on essaye tous autant qu'on est, même si parfois d'ailleurs on a des périodes de coups de mou, hein, c'est moins qu'on puisse dire, de résister là où on est, tous autant qu'on est, élus comme militants, hein. Parce qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient dans des sphères machin, non, tout le monde, on essaye de résister à notre niveau, et à faire en sorte que finalement, ils ne viennent pas nous mettre des coups de pied pour nous dire, mais attendez, vous avez juste oublié de résister à ça ou à ça. Et il faut continuer, parce que j'ai la faiblesse de penser que les Landaises et les Landais attendent juste, non pas qu'on soit dans l'adoration ou je ne sais quelle nostalgie, mais qu'on soit véritablement dans ces traces, parce que je suis d'accord avec Boris, il est plutôt devant. Et en même temps, en ce moment, on est tous un peu désemparés parce qu'on se dit finalement ce qu'il disait il y a très longtemps maintenant. Bah, mériterait peut-être qu'on s'en reparle et que ce soit dans le débat politique. Moi j'ai en mémoire, certains ici s'en souviennent, enfin tous d'ailleurs, dans les meetings, dans les comités directeurs du parti, dans les motions qu'il a pu déposer, partout où il a été, il y avait un leitmotiv, c'était la redistribution des richesses. Et aujourd'hui, on est en train de nous expliquer qu'il faut sucrer 10 milliards de budget cette année, 20 milliards l'année prochaine, pendant que le CAC 40 est encore fini à 560 de redistribution, milliards bien sûr, et qu'on hésite, enfin on n'hésite pas d'ailleurs puisqu'il a fermé le banc l'autre, à Bercy, à taxer les plus riches. Mais quel est aujourd'hui le combat politique qui devrait être celui de la gauche? J'ai bien compris qu'il y avait des débats homériques sur... le wokisme, j'aurais bien voulu savoir d'ailleurs ce qu'Henri en pensait du wokisme. Ça aurait dû être. On nous aurait fait une petite soirée là-dessus, hein, ça aurait été intéressant. Tout ça pour éviter de parler des vrais sujets. Et le vrai sujet, c'est celui-là. Le vrai sujet, c'est celui sur lequel il s'est toujours battu, à savoir la redistribution des richesses qui, malheureusement, est encore et encore plus d'actualité face à la paupérisation de beaucoup de nos concitoyens. Et de l'autre côté, à toutes celles et ceux qui sont en train de s'en foutre, excusez-moi l'expression, mais plein les poches, tellement, je dirais, c'est une indécence totale, qui fait qu'il y a une rupture complète dans notre société qui n'échappe à personne, et que pour cacher finalement la poussière sous le tapis, qu'est-ce qu'on fait? On parle de sujets qui n'ont plus rien à voir. Alors ça nous fait passer peut-être pour des archaïques. Henri avait toujours le bon mot pour dire, oui, je revendique d'être archaïque, bah, je suis désolé, moi aussi, et je crois qu'on est quelques-uns à le revendiquer, parce que cette idée politique importante, elle doit continuer à nous guider, elle doit continuer à nous faire lever le matin, elle doit continuer à nous faire militer, à mener encore des combats, même si on se dit parfois qu'on est en décalage, peut-être en décalage, mais comme il disait souvent, il y a beaucoup de soigneurs de touche du libéralisme. Ben, chers camarades, continuons à être sur le terrain. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire comme mes collègues. Hein. Je vais prendre un papier. Comme ça. Et je vais m'adresser à Henri. Cher Henri, 7 ans après ta disparition, je ne sais toujours pas avec certitude d'où tu nous écoutes. Sans aller jusqu'à penser que tu enrages, j'imagine quand même que tu as pris un peu de hauteur. Aussi, je voudrais te donner des nouvelles d'en bas. Elles ne sont pas fameuses, y compris dans notre vieille Europe. La guerre fait rage en Ukraine, le repli identitaire et le populisme font tache d'huile. En France, l'extrême droite affole les compteurs à moins de 3 mois d'une élection capitale pour l'avenir de nos démocraties. Un président qui aurait dû écouter davantage les conseils que tu lui as prodigués quand il était jeune ministre de l'économie a fini, par trop d'assauts démagogiques, à brouiller les cartes politiques. Il faut reconnaître que la gauche l'a un peu aidé. Mais bon, n'épiloguons pas. Le résultat, on l'a vu lors du vote sur la loi immigration. C'est l'alliance de la carpe nationaliste avec le lapin conservateur. Ce mariage que tu redoutais tant, car il risquait d'enfanter, disais-tu, le pire des renoncements. Renoncement, voilà un mot que tu détestais par-dessus tout. Tu étais le premier d'entre nous à récuser les confusions, mais aussi les pessimismes, à dénoncer les obscurantismes qui nourrissent les grandes peurs, à rappeler que le monde sera ce que nos convictions et nos volontés en feront. Je crois qu'ici, dans les Landes, nous avons retenu la leçon. Nos parlementaires se battent face à des vents contraires pour que la réforme ne soit pas synonyme de conservatisme ou de recul, mais bien de progrès social. Les élus de nos collectivités n'ont de cesse de vouloir améliorer le cadre et les conditions de vie de nos concitoyens, de créer les conditions d'un niveau d'emploi élevé et durable, de lutter contre les exclusions. Crois bien que nous n'avons pas l'intention de nous endormir sur nos lauriers, pas l'intention qu'ils fanent, qu'ils soient coupés et que la droite vienne les ramasser, encore moins l'extrême droite. Mon cher Henri, tu nous as légué la passion de l'intérêt général, du service public et l'ambition du mieux. Tu nous as appris aussi à unifier l'engagement politique et la capacité d'action. Dans un moment difficile pour les femmes et les hommes de gauche, alors que l'air du temps, comme on dit, peint du gris sur du gris, que notre influence sur le cours des événements ressemble à une peau de chagrin, souvenons-nous de tes vieilles leçons qui sont celles des maîtres qui nous ont conduits sur la route souvent escarpée de la République. Il faut choisir résolument, dire si l'on est pour l'ombre ou pour la lumière, pour hier ou pour demain, pour ne pas être ou pour être. Dans ces moments où l'histoire réconcilie les convictions et la responsabilité, les idées mènent à nouveau le monde et la politique reprend ses droits. J'en terminerai en paraphrasant la chanson de Jacques Brel, Jojo. Je te dis, mort au con, bien plus con que toi, mais qui sort mieux portant. 6 pieds sous terre, Henri, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Henri, on t'aime encore. Merci. L'association Les Amis d'Henri Emmanuelli vous invite à partager le verre de l'amitié. J'en profite pour remercier la mairie, monsieur le maire, pour le prêt de la salle et pour le soutien logistique. Donc merci et à tout de suite à la salle.